Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire un classeur pour ranger les rubans. Hop. Là on rajoutera des pochettes. Ça va se composer comme ça. Alors, il va falloir de 15 feuilles de 7 cm par... Je descends un peu. Par 16,5 et 30 bandes de 2,5 par 29,5. Une feuille plastifieuse. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, les deux longues bandes. On les met en bas. Au bord de la feuille. Ensuite, les quatre papiers, on les met... en laissant un petit espace entre chaque feuille. J'ai des saletés là. Voilà. Ben maintenant, il faut attendre que la plastifieuse soit chaude. Je vais y arriver. Hop. Ça a bougé. Alors. Mais une fois que la plastifieuse est chaude, hop là. Il y a tout qu'à bouger, évidemment, sinon c'est pas rigolo. À peu près. Hein. Alors, une fois qu'on a passé dans la plastifieuse, ça donne ça. Et là, normalement, on doit pouvoir l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc là, on découpe les bandes. Thank you.
ça nous donne des petits. Des feuillets comme ça. Je reviens. Donc ensuite, il faut faire des trous sur le bord. À 2,5, à 6, à 10 et à 14. Bon, après, on peut en rajouter moyennant ou j'en ai rajouté celui-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit à peu près. Hein. Donc, là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. On fait à peu près 5. Hop. Donc je passe le ruban dans le trou. Et puis on enroule. Hein. Ça c'est l'étape la plus longue. Un trombone. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Bref, voilà. Et on continue jusqu'à remplir la bande. Allez, on va en faire encore un ensemble. Et on roule. Voilà. Youp, il y a un scotch. Une trombone. Voilà. Allez, je finis et je reviens. Donc là, je viens de finir la première bande. Ça donne ça. Bon, là, on pourrait peut-être à la limite faire encore un trou pour en mettre encore un. Je regarderai s'il me reste un ruban. Après, pour ceux-là qui sont autocollants, alors je fais pas de trou. Hop, j'enlève un petit bout de scotch et je le colle directement dessus et je le roule. Et puis pareil, un trombone. Hein. S'il veut bien. Hmm. Voilà. Aïe. Alors là, je garde les petits bouts.
Et je vous montrerai pourquoi après. Donc, on enlève un petit bout. On le colle. Et on roule. Un trombone. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait rempli la plaque.